Bonjour, aujourd'hui on va parler des bandages de pieds. En fait, il y a plusieurs situations qui vont nous inciter à faire un bandage sur le pied de notre cheval. La plus commune étant évidemment l'abcès de pied, mais aussi si jamais on a une plaie plus profonde au niveau du sabot qui aura préalablement été évaluée par un vétérinaire. Si on a un sabot qui est très sec qu'on aimerait aider à ramollir un petit peu ou pour d'autres raisons. Donc on va regarder aujourd'hui comment on va s'y prendre. Donc, pour le matériel pour notre bandage de pied, on a notre poultice en sac, donc notre aliment latex. J'ai coupé les carrés dont on va avoir besoin là, pour couvrir la surface de la sole. On a notre vetrap. On a notre light plast, ou si vous préférez de l'élastoplast, c'est aussi possible. C'est juste un tape collant. Et notre botte fait avec du duct tape, dont les coins sont coupés pour faciliter l'utilisation. Donc aujourd'hui, on a Maggie avec nous qui va nous servir de cobaye. Donc pour commencer, je vous avais montré tout à l'heure notre petit morceau d'animal latex qu'on a coupé. Ça va être bien important de le mouiller, de l'humidifier en fait, puis de le tordre un petit peu pour pas qu'il dégouline trop. Puis je ne sais pas si on peut voir à la caméra, en fait il y a deux couches. Il y a la couche un peu en tissu, puis il y a une couche avec une couche de plastique. Donc ça va être ce qui va aller à l'extérieur. Et ça, cette couche-là, la couche de tissu va être directement en contact avec la sole ou la zone à laquelle on veut l'appliquer. Donc, on commence par venir prendre notre pied. On va appliquer notre bout d'animal latex. On va ensuite prendre notre betrape et on va l'enrouler sans trop serrer, en fait. Moi, j'aime bien le dérouler un peu pour éviter qu'il soit trop étiré puis qu'on vienne trop serrer. Puis ensuite, je le passe autour du pied. Fait qu'on va vraiment tout couvrir notre pied comme ça. Puis j'aime bien remonter plus haut que le sabot. Comme ça, quand on va mettre notre tape, ça ne va pas aller directement sur sa peau. Ensuite, on va prendre notre botte. Donc, c'est juste des couches de duct tape qu'on a mis ensemble. On va le mettre, le centrer directement sur le pied. Puis, on vient le poser comme ça. Le fait de faire les petites encoches dans les coins, ça nous permet juste de le placer plus facilement. Donc ça, c'est vraiment la couche qui va être imperméable. Ça va protéger le pied et ça va faire en sorte que le bandage de pied va aussi s'user moins rapidement. Donc comme vous voyez, j'ai encore un bon espace de vetrape avant que mon duct tape aille sur la peau. Je vais juste reprendre le light plast. Donc ça, c'est la dernière couche. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste rajouter des couches de duct tape autour pour éviter que ça glisse trop. Ça, l'avantage, en fait, de ce tape-là ou de l'élastoplast, c'est qu'on peut monter un petit peu plus haut puis aller directement au niveau de la peau. Puis, pour les bandages qui vont être changés peut-être aux 2-3 jours, ça va empêcher, en fait, qu'ils glissent. Donc, j'aime bien utiliser ça. Donc, même principe. On vient un petit peu autour. On ne serre pas, surtout quand on arrive au niveau de la peau. Puis ça se déchire très facilement. Et voilà!